m'appelle Bastien Ives, je suis auteur de bande dessinée. Voilà. Et donc là, j'ai écrit Le Chemisier, qui raconte l'histoire de Séverine, une étudiante en lettres, qui s'est un peu endormie dans sa vie, qui vit déjà comme une petite vieille alors qu'elle a 22 ans, 23 ans, alors qu'elle devrait être dans son âge d'or et profiter de la vie comme il le faudrait. Et on va lui donner, suite à un babysitting, on va lui donner un chemisier qu'elle va récupérer, et ça va changer sa vie. La femme se retrouve au cœur du récit, les héroïnes se retrouvent au cœur de tous les récits en ce moment, et d'une bonne manière et d'une très mauvaise manière, et je pense que c'était aussi important de participer à ça. Je fais des BD en 2018, donc je dois aussi me préoccuper de ces questions-là. Et puis après aussi, mon amour du dessin est aussi passé parce que j'adorais dessiner les filles, donc ça aussi. C'est aussi simple que ça. Le chemisier, c'est quelque chose qui était porté aussi par qui est aussi porté par les femmes, entre guillemets, qui travaillent, qui sont séduisantes. Et c'est aussi cette image de la femme qu'on attend dans nos sociétés, qui est de rester séduisante. Et aujourd'hui, il faut qu'elle travaille, et il faut qu'elle soit, une espèce de présence charisme. Et ce que j'aime bien, c'est que ça va lui donner énormément de force, et puis elle va surtout le mettre à mal pendant toute la BD. J'ai l'impression que la part des filles, en tout cas à Paris, je sais pas quoi, tentent de faire aussi, mettre à mal un peu cette vision qu'on a de la femme. Ah, pour cette histoire d'attentat dans le récit, non, c'était... en fait, quand j'ai écrit ce bouquin, c'était un peu ces 2-3 années que j'ai un petit peu digéré, que j'ai balancé dans le bouquin, et c'était un peu ça entre... vraiment juste, si on parle d'un point de vue simplement en France, enfin voilà, de ce qui s'est passé en France, entre le féminisme, le féminisme 2.0, entre les attentats, entre la politique, entre tout le bordel, l'écologie et tout ça, ça fait une espèce de bouillie, et quand on écrit une histoire, on est forcément inspiré par ça. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle était dans une situation d'urgence, dans un état d'urgence. Et pour moi, il fallait qu'à un moment donné, il y ait une réponse à ça, quoi. Ça pouvait pas être juste aller dans un état d'urgence parce que, je sais pas, aujourd'hui, elle décide de péter un câble, et c'est comme ça. C'est parce qu'il y a une vraie situation d'urgence, il y a une vraie situation aussi de tension qu'il y a dans les grandes villes. Donc là, j'ai pris cette scène-là parce que ça se passe pendant un dîner. Elle vient de monter dans la voiture d'Ali. Ali, c'est le flic qu'elle vient de croiser. Et elle se retrouve à un dîner alors qu'elle a absolument rien à faire là. Enfin, vraiment, c'était elle avec son chemisier. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une scène normalement conviviale. Elle connaît personne, même presque pas Ali, quoi. Et elle est quand même toute seule. Et ça me plaît beaucoup. Et ne serait-ce que dans la mise en scène, elle est toujours un peu toute seule. On la voit jamais avec les autres. Même quand elle arrive, elle est toute seule. Et elle écoute la conversation des gens qui se parlent entre eux. Et elle vient de se mettre à fumer parce qu'elle a pris une clope à Lille, chose qu'elle n'avait jamais faite avant. Et elle regarde ce paquet. Et pendant qu'elle discute, elle est en train de regarder cette clope. Et on peut clairement imaginer ce qu'elle est en train de se dire. Est-ce que ça a un sens de se mettre à fumer à 24 ans? Qu'est-ce que je fais avec cette clope? Mais j'aime bien ça. Enfin voilà, il y a tout un truc. Et puis j'aimais bien l'idée de fumer-tu, ça remettait un coup de cette espèce d'angoisse dans laquelle on vit tout le temps, quoi. On est rappelé à la mort toutes les 4 secondes. C'est quand même... voilà. Et puis après, c'est aussi la présentation. J'aimais bien surtout ces deux attitudes-là qui sont... On la sent très calme, très sereine, très douce. Et ça bascule son attitude et en miroir par rapport au début de l'album où elle est toute recroquevillée sur elle-même, elle est inintéressante au possible. Et surtout là, elle va dire des espèces de banalités. En fait, surtout, elle va faire une blague, chose qu'elle n'avait jamais faite avant en 25 ans de vie, quoi, ce qui est assez chouette. Et d'une manière très légère, avec beaucoup de... sans en faire des caisses, avec beaucoup d'élégance. Et voilà. Et même si c'est un peu prétentieux, mais je pense que ce livre est un modèle de savoir-vivre pour les jeunes femmes d'aujourd'hui. Voilà. Parfois, il y a des choses qui sont importantes pour les gens qui nous échappent complètement, quoi. Et bien, il y a des gens pour qui ça va être une photo, pour que ça va être une fringue, ça va être un moment, ça va être un endroit. Il y a des choses, voilà, chacun a son histoire. Pour elle, ce chemisier a une importance folle.
Et vu que le personnage de Séverine, j'espère, est attachant et qu'on vit l'histoire à travers elle et qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, pour nous, le chemisier aura de l'importance, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi. Et c'est assez drôle parce que ça, je pense que c'est quelque chose que les gens ont souvent vécu. On a tous eu, à un moment donné, dans notre adolescence, une espèce de fringue qu'on a mis et qui nous allait pas trop mal, un pull, un jean, n'importe quoi. Et elle, ce que j'aime bien, c'est que c'était pas un vêtement qu'elle a acheté, c'est un vêtement qu'on lui a passé parce que pendant un babysitting, elle le tâche. Et donc, elle se retrouve avec le chemisier d'une nana qui est élégante, belle, qui a la quarantaine. Et tout de suite, ça la fait rentrer dans le monde des adultes et pas des espèces de d'ados attardés dans lequel on baigne un peu trop longtemps, quoi.